Parce que, excuse-moi, c'est parce que je suis en train de me faire une beauté, là. Je suis en train de me faire très, très belle, là, pour toi. Bonsoir! Comment ça va? Oui, comme vous avez pu remarquer, je suis patchée. Christy, le sang coule à flot. Ça commence ce matin. Tout bonnement, je suis allée au village des valeurs pour me gâter. Question de répondre à mes besoins personnels. Et tadada! Dans les cabines d'essayage, toutes choses, je suis tombée dans ma semaine. Est-ce que la vie est mal faite? J'aurais pu tomber dans ma semaine n'importe quand. Pas dans une cabine d'essayage, mettons. Regardez, c'est Titi! Et dis bonjour! Bonjour, moi c'est Titi. Oh. Ouais, il est pas le fatigué! Ok, va-t'en, va dormir. Fait que là, aujourd'hui, je vous ai concocté quelque chose d'assez extrême, quelque chose d'assez merveilleux, quelque chose de très fantastique. J'avais envie aujourd'hui de vous conter quelques histoires qui me sont arrivées quand j'étais jeune. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Si vous êtes pas prêts, ben taboire, tant pis, c'est parti! Souvenir d'enfance. Première histoire. Attends, je t'attire. Quand j'étais jeune, j'étais à la maternelle. Mais là, l'affaire, c'est que moi, j'étais à la récréation. J'étais une petite fille. Puis, Christy, j'avais envie de voir un pénis. Et dans un temps mort de récréation, j'ai demandé à un petit gars, tout bonnement, s'il voulait me montrer son pénis. Puis lui, il m'a dit, bah ouais, quand je peux te montrer mon pénis en autant que tu me montres ta noune? Ce qui, pour moi, faisait quand même du sens. Mais là, moi, je pense que j'avais juste envie de voir son pénis, mais j'avais vraiment aucune envie d'y montrer ma noune. Fait que je suis comme, ouais, ouais, parfait, deal. Fait que finalement, on s'en va derrière une genre de petite butte de gazon, tu sais. Puis il dit, ben, montre-moi ta noune. Je suis comme, non, non, ben non, montre-moi ton pénis, toi en premier, tu sais. Puis il me montre son pénis. Je me rappelle de son pénis, genre de son échantillon. Pénis, si on peut appeler ça un pénis, en tout cas. On s'entend, on se rappelle, j'étais en maternelle, là. J'étais très, très jeune. Là vient le moment où est-ce que c'est mon tour de montrer ma noune. Puis je le regarde bien droit dans les yeux, puis j'ai dit, hey, je te montrerai pas ma noune. Puis j'ai colissé mon camp. Ma prof, elle m'a vu. Elle m'a vu avec le petit gars derrière la butte, puis là, elle s'est dit, ben crime, je vais en parler à sa mère, tu sais, voyons, sa fille, c'est une salope, ça n'a pas de bon sens. Faut l'avertir. Fait qu'elle contacte ma mère, et comme crime, Diane, faudrait peut-être se faire une petite rencontre, tu sais. Fait qu'elle rencontre ma mère, puis elle dit tout bonnement. Là, dans le fond, le problème, c'est que votre fille, elle a demandé à un petit gars d'y montrer son pénis. Fait que là, ma mère, elle répond, ok, mais est-ce que ma fille a montré sa noune? Puis la professeure a dit non. Puis ma mère est partie à rire, puis elle a dit, hostie qu'elle wise, ma fille. Fait que moi, quand j'étais en maternelle, j'ai demandé à un petit gars de me montrer son pénis. Hostie, j'ai jamais montré ma noune. Puis ma mère était bien fière de moi. Merci, bonsoir. Si ça, c'est pas gagner le respect de ses parents, c'est quoi sinon tabouret? Souvenir d'enfant. J'étais jeune, j'avais vraiment une frustration envers les jeunes qui saignaient du nez, mais genre vraiment, ça me faisait fucking chier. J'avais l'impression que c'était tout le temps eux qui avaient toute l'attention, genre. Puis moi, j'étais crissement jalouse parce que je saignais pas du nez, genre. Puis je trouvais ça insultant. Je savais pas comment avoir l'attention parce que ces petits tabarnacles-là, ils saignaient tout le temps du criss de nez à n'importe quel cristi de moment. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je faisais tous les sports possibles pour essayer de m'amener saigner du criss de nez. Fait qu'un jour, je me dis, bah, je pourrais peut-être bien jouer au hockey, tu sais. Puis le moment tant attendu arrive, je me fais frapper, mais genre frapper par le bâton d'hockey. Punch, clac, dans ma face, tout sur mon nez. Sincèrement, je comprends même pas aujourd'hui pourquoi je suis pas défigurée. Mais moi, j'étais juste comme... Oh shit, man, c'est mon moment de gloire. C'est le moment de ma vie. C'est là que je saigne du nez, man. Je me disais, si c'est pas là que je saigne du nez, je saignerai jamais du tabarnak de nez. Faut que je saigne du nez, s'il te plaît, je veux juste saigner du nez. Fait que je me rappelle avoir eu mal, avoir mis ma main devant mon nez, puis de juste espérer que ça saigne, d'avoir enlevé ma main, puis de voir calice de rien. Fait que finalement... Tout ça pour dire que j'ai jamais saigné du nez. Puis ça a tout le temps été vraiment une grosse déception pour moi. Ça a pas été facile parce que même à ce jour, je sentais que c'était mon moment, tu sais. Je sentais que c'était ma foi que j'allais saigner du nez pour vrai puis que j'allais avoir toute l'attention sur moi. Je demandais pas grand-chose à la vie. Je voulais juste saigner du nez. Maintenant, je saigne pas du nez, je saigne de la noune. Je veux pas saigner de la noune, je veux saigner du nez. Hello! Souvenir d'enfance. Que là? Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme... Tu sais, moi, tu sais, il y en a tout le temps une dans la gang qui est plus organisée que les autres. Puis moi, quand j'étais jeune, paraîtrait-il que c'était moi. Je sais pas. Moi, j'étais destinée à être une petite cochonne. Si quand j'étais jeune, si j'étais la petite cochonne de la gang. Moi, j'étais la petite cochonne de la gang. Je sais pas pour toi, mais moi, j'étais la petite cochonne de la gang. Ouais, 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 ouais. Ah, je suis pas peu fière. Je suis pas peu fière. Ma mère était fière de moi. Fait que là, vient le moment où est-ce que j'ai enfin mon premier petit chum. Tu sais, puis ben contente de tout ça. Fait que là, vient le moment de mes premières expériences. Parce que oui, on peut clairement appeler ça des expériences, c'est calissement le mot. Mes premières expériences sexuelles. Puis là, j'étais avec mes chums de filles, tu sais. Puis on se regarde droit dans les yeux.
puis on se questionne, tu sais. Parce qu'on a toutes jamais rien fait dans la gang, là. Fait qu'on a aucune christie d'idée, là. Comment ça se passe, la chose, là. On sait pas, là. On sait pas. Fait que là, notre questionnement était à savoir, est-ce que l'on doit se raser la noune ou pas? Avoue que tu t'es déjà demandé s'il fallait que tu te rases la noune ou pas. Avoue, je suis pas la seule ici t'asseoir, je suis pas la seule. Je suis pas la seule ici t'asseoir qui s'est demandé s'il fallait que je me rase la noune une fois dans ma vie ou non. Là. Fait que là, le seul raisonnement qu'on a eu à cet instant-là, du haut de nos, je sais pas quel âge, mais de très très jeunes femmes, ben casse, rase-toi pas la noune. Comme ça, si jamais il faut que tu te rases la noune, ben on va le savoir. Puis moi, dans ma tête, ça fait fucking du sens. Fait que je suis comme, ok, parfait, les filles, regardez. Je sais pas trop ce qui va se passer à soir, mais à soir, je me rase pas la noune, tu sais. Fait que là, vient le temps. Que je suis très tranquille avec le petit garçon dans un divan. Puis là, il met comme subtilement sa main. Je vous donnerai pas plus de détails, mais on comprend ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le petit gars a retiré sa main de mes culottes. Il m'a regardé direct dans l'âme. Puis il avait pas besoin de dire autre chose. J'ai très clairement compris qu'il fallait que je me rase la noune. Fait que c'est ça. Fait que c'est jamais rien passé après avec le petit gars. Je pense que je l'ai traumatisé. Dans sa tête, il écoute mes vidéos, il doit se dire hostie, c'est la poilue. Fait que dans la vie, je suis la poilue pour quelqu'un. Ouais, c'est un peu plat dit de même. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que l'affaire, c'est qu'après ça, je suis allée voir les chums de filles. Je leur ai dit, hey les girls, Krish, je pense qu'il faut qu'on se rase la noune. Mais là, moi, j'ai pas pris ça à la légère. J'ai tout rasé. Tout rasé. J'ai rasé mes jambes, j'ai rasé mes cuisses, j'ai rasé mon ventre, j'ai rasé mon pin, j'ai rasé mon sourcil. J'ai tout rasé, j'ai rasé mes bras. Garde, je ne comprends même pas pourquoi à ce jour, je ne suis pas Cassandra, Bouchard, Chewbacca. J'aurais clairement pu être Chewbacca. Ah, c'est qu'on est con quand on est jeune. Quand j'étais jeune, on avait un lit à deux étages, puis moi je dormais en haut. Le mur au plafond, c'était un mur comme en espèce de petite granite, genre. Il y avait comme plein de petits motons de je sais pas quoi dans le fond, là. J'ai aucune christie d'idée c'était quoi, c'était ce petit moton là au plafond. Mais moi, quand j'étais jeune, je pensais que les motons au plafond, c'était les gens qui étaient là avant moi, puis qui avaient collé leur crotte de nez au plafond. Ce qui fait câlissement du sens. Tu sais, je veux dire, le plafond était plein à grandeur. Moi, je me suis pas questionnée peut-être à me dire, hey, ça prendrait donc ben une éternité qu'il y ait autant de crottes de nez sur Christy de plafond. Fait que je me suis dit, ben Christy m'a continué la tradition. Fait que moi, à tous les soirs, je collais mes crottes de nez au plafond. C'est ça. Fait que dans ma tête, pour moi, c'était un plafond de crottes de nez. C'est moi, je suis pas manuelle d'envie. Moi, je suis pas manuelle d'envie, mais je suis assez fière, par exemple, d'avoir contribué à construire le plafond de crottes de nez. Alors, la prochaine histoire est une histoire de peur. C'est pour ça que j'aimerais une voix comme ça, pour que ce soit plus épeurant. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être que non. Suspense. Alors, l'histoire de peur commence comme suit. C'est un jour de noir. C'est surtout la nuit, en fait, parce que c'est pas un jour de noir. C'est surtout la nuit, en fait. Alors, c'est la nuit, et je me réveille. Tout bonnement. Bang! Sursaut. Je me réveille et je vais dans le salon. L'affaire, c'est que moi, dans le temps, j'habitais au 4e étage. Fait que j'avais une bien belle vue sur tout le monde, t'sais, dans ma tête à moi. Puis là, qu'est-ce que j'aperçois au loin? Des tornades. Il y en avait partout. Moi, je dirais qu'en partant, les tornades, ça m'a toujours fait peur. J'ai vraiment toujours eu peur des tornades. Ça n'a aucun cristi de sens parce que j'ai jamais vu de tornade. Fait que là, je me dis, oh my god, faut que j'aille réveiller mon père. Il faut qu'on se sauve des tornades. Mon père, il se réveille. Et me regarde. Et me dit que impossible qu'il y ait des tornades, Cassandra. Viens voir dans le salon, je te dis qu'il y a des tornades. Fait que mon père m'a su dans le salon, puis là il part à rire. Mais non, Cass, c'est pas des tornades. C'est pas des tornades, ça. Maudite conne, c'est pas des tornades. Il dit, tu vois bien. Il dit, voyons, de la boucane qui sort des grosses affaires industrielles. C'est pas des tornades. En tout cas. Moi encore à ce jour, je suis sûre que c'est des tornades puis qu'on l'a échappé belle. On l'a échappé belle, je suis sûre à 100%. Attention, l'histoire qui suit est une histoire très traumatisante qui a traumatisé la vie de Cassandra et de ses proches même, j'oserais dire. Alors donc, si tu n'es pas prêt à entendre cette histoire, quitte la vidéo. Quand j'étais jeune, je rêvais vraiment profondément d'avoir des petites mèches blondes. Puis ma mère a réalisé mon souhait. Comme une mère aimante, elle m'a amenée chez la coiffeuse et elle m'a fait faire 4 petites mèches comme ça ici. Quelque chose de très délicat, un peu dégueulasse vous me diriez, mais quand même très délicat. Tu sais, je veux dire, c'était pas... Je pensais quand même incognito, tu sais, je veux dire, en tant que petite fille qui allait rentrer à la maternelle. Et puis mon père, quand il a vu ça, il était très fâché. Mon père ne voulait pas que j'aille de petites mèches blondes et il a dit à ma mère que ma mère avait gâché mes cheveux. Alors mon père, pour aider mes cheveux, pour leur redonner la force qu'ils avaient avant les 4 mèches blondes, il est allé me faire une coupe champignon.
Ouais. Fait que moi, les premières années de ma vie du primaire, j'avais une coupe champignon. Une coupe champignon. Genre, toi là, t'as-tu déjà eu une coupe champignon dans ta vie? Non, ben c'est ça. Tant que t'as pas de coupe champignon, tu sais pas c'est quoi que ça fait avoir une coupe champignon. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu? C'est pas pour vous, mais moi, une fois dans ma vie, j'ai quand même eu une coupe champignon. Genre, je veux pas me mêler de ce qui me regardait pas. Je pense qu'en tant que personne, en tant qu'individu dans la société, ça me donne clairement une crédibilité. Traumatisme d'enfance. Souvenir d'enfance. Bon. J'ai une petite dernière histoire comme ça, ben tranquille. Mais attendez, j'ai besoin d'un élément. J'ai besoin d'un accessoire. OK. Fait que, quand j'étais jeune, moi j'étais une petite fille craintive, un petit peu, un tantinet. Fait que quand venait le temps de dormir, comme tous les enfants, tu sais, j'avais peur quand mes pieds sortaient du lit. Je regardais dans le garde-robe avant de me coucher. Je regardais en dessous de mon lit. Et aussi, je me mettais une doudou autour de la tête. En gage de protection. Fait que moi, toutes les nuits, je dormais comme ça. Et je dormais de manière très paisible. Je me sentais en harmonie, en fait, avec la terre. Ouais. Fait que ouais, je te dirais bien que c'est pas vrai. Mais ouais, c'est vrai. Fait que je sais pas combien de temps j'ai dormi avec une crissée de serviette sur la tête. Je sais pas trop ce que ma mère, elle devait se dire. Elle devait se dire, ben même, petite conne, pourquoi? Mais pourquoi tu te mets une serviette sur la tête, mettons, pas sûr de comprendre? Ben c'est pas sûr non plus de comprendre en quoi ça te protégerait si, mettons, il y avait des fantômes, pas sûr de la comprendre. Ben j'ai terminé. Si vous avez aimé la vidéo, écrivez dans les commentaires. Cass, quand t'étais jeune, t'étais pas la plus bright, mettons? Fait que là, toi, là, tu ris bien depuis tantôt. Hein? Là, je te vois, là, je te regarde. Je t'entends rire de moi depuis tantôt de te dire, ben voyons, c'est une niaiseuse qui dort avec une serviette sur la tête, qu'est-ce que c'est ça? Pas mal ça que toi et toi, quand t'étais jeune, t'en as fait des popercons à part de ça. Fait qu'écris-moi dans les commentaires, qu'est-ce que t'as fait d'un peu con, qu'est-ce que t'as fait d'un peu niaiseux. Puis ben, ça va me faire un plaisir de lire ça parce que Christy, ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Moi, je vais être bien honnête, à chaque fois que je vous lis, ça me fait un plaisir. Oui. Fait que, ben là, c'est ça, pour quitter, je vais juste me lever et je vais quitter. Bye!